Nous sommes à Art Paris, sous la verrière du Grand Palais, magnifique endroit pour une foire d'art contemporain, et nous sommes sur le stand de la galerie Marc Hachem. Ici, on a fait le choix de présenter des maîtres du XXe, principalement les trois Vénézuéliens du cinétisme, Soto, Cruz Diez, Pérez Flores, avec des pièces exceptionnelles pour chacun d'entre eux, des pièces rares. Il y a deux sculpteurs, Philippe Iquili et Marino di Teana. Et là encore, pour Marino di Teana, on a un bas-relief de 1963 qui avait été présenté à la galerie Denise Renier à l'époque, qui est référencé, une pièce unique extrêmement rare. On a la grande galipette de Iquili, magnifique d'équilibre et d'humour. Et puis on a une deuxième partie, une partie d'art contemporain. Alors là, avec un solo de Stephen Pearce, un peintre anglais, hyper réaliste. C'est ses cinq dernières peintures, ses cinq nouvelles peintures. Très déroutant, plus figuratif, mais tout aussi étrange et envoûtant, charnel, sensuel. Et puis c'est entouré de plusieurs sculptures, notamment des sculptures de Wolfgang Stieler avec des matchstick men. Les matchstick men, ce sont des hommes allumettes, des hommes qui se consument par la société, comme un burn-out.